Bonjour, veuillez abonner sur votre chaîne YouTube Galsen 221, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Le Sénégal, trop fort face la Somalie, 3-0. Le Sénégal marche sur l'eau. Après leur victoire face au Congo et contre l'Algérie, les Lionceaux ont réussi le carton plein en phase de poule, vendredi, après leur succès sans appel devant l'équipe de la Somalie, 3-0. Une grosse démonstration de leur part. Les protégés de Serigne Saliou Dia disputaient leur dernier match de poule dans cette CAN des moins de 17 à face à la Somalie. Et le moins que l'on puisse dire, les Lionceaux avaient envie tout simplement de manger leur adversaire du jour. Face aux joueurs somaliens physiquement pas à la hauteur, les partenaires de Yahya Dim ont dominé outrageusement des débats en s'imposant notamment à un coup de génie de l'inévitable Damara Diouf. Avant, les Lionceaux avaient réussi à ouvrir le score sur un corner après seulement 8 minutes de jeu. Malgré une qualification nettement acquise avant même le coup d'envoi de cette partie, ils ont accentué leur maîtrise totale de la rencontre qui se tournait à la démonstration. La rencontre tourne à l'attaque-défense, le Sénégal possède en moyenne plus de 70% de la balle et se crée de nombreuses occasions. La seconde mi-temps sera du même acabit avec une maîtrise et domination impressionnante des Lionceaux qui auraient pu gagner cette rencontre sur un score plus large. Mais Yahya Dim parachevait le spectacle de la soirée en transformant son pénalty, 3-0. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines publications. Merci.